Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 sur Grand Utopia. Regardez comment c'est très joli. Mais, oula attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, je vais essayer de traverser. Je vais essayer de traverser sans mourir. Ok, je suis safe. On se retrouve les amis aujourd'hui en voiture. C'est incroyable. Là vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre Mkolo, qu'est-ce qui casse les pieds là? Ouais, et bah écoutez c'est parti sur un coup de tête. Je me suis dit ça peut être rigolo parce que je n'ai jamais fait ça. J'ai déjà roulé en voiture sur Euro Truck Simulator 2, ça avait d'ailleurs beaucoup plu et je l'ai jamais refait. Mais surtout sur Grand Utopia les gars, et il y a des routes qui en valent la peine. Alors aujourd'hui je me suis dit on va faire un hors-série donc spécial avec une route non explorée, hein, vous le voyez c'est normal, vous inquiétez pas. On est au niveau de Courfeyrac. Et regardez un petit peu tous ces virages qui nous attendent. Alors on a déjà fait ça en camion les gars, hein, donc c'est pas la peine de dire oui mais tu casses tout, c'est fait pour faire en camion, t'as fait une aventure de recommencer à zéro, machin machin. J'en ai rien à foutre. Voilà, je suis désolé, ça sort au bout d'un moment. Les gars, si vous voulez, vous retournez il y a un an, j'ai déjà tout fait en camion, j'ai exploré toute la map. C'est un petit peu dommage de répéter toujours la même chose. Bah oui, bah. Aujourd'hui, on va faire la route du paradis. On va essayer, en tout cas, le challenge d'aujourd'hui, ça va être de faire la route du paradis en voiture. Donc le paradis qui est une route assez, assez cocasse, avec des petits chemins bien sympas. Donc on est avec cette belle voiture, Renault. Voilà cette Mégane 3 RS, si je dis pas de bêtises. Je mettrai le mode en description. On rentre et c'est plutôt sympa. Hein, c'est une voiture assez sympa, mine de rien. Elle a été bien faite. Hein. Elle a été bien reproduite sur Euro Truck, donc ça c'est vraiment sympa. On va pas perdre plus de temps, les gars. On va y aller. Coucou. On va y aller. Ouais, excuse-moi, je me suis un peu imposé. Hein. Ah, c'est mon petit côté à. Mon petit côté fifou. Alors attendez, hop là, ça commence bien. Donc j'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo hors série. Vous m'en direz des nouvelles. Ça risque d'être bien sympa. On est là pour s'amuser les gars. Moi j'en ai marre en fait de me prendre la tête, vous savez. Donc à un moment donné voilà, j'avais envie de prendre la voiture. Si j'ai envie de rouler n'importe comment, je roulerai n'importe comment. On va essayer de faire les choses bien. Alors non, en fait le but du jeu ça va être donc de réussir à faire la route du paradis dans un premier temps, ça c'est clair. Mais le but du jeu ça va être de ne pas faire d'accident, tout simplement. Voilà. Le but ça va être de ne pas faire d'accident, peu importe comment je vais rouler. Donc je vais probablement rouler comme un con. C'est pas un problème. Il faut juste pas faire d'accident. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Et réussir la mission intacte. Et c'est ultra stylé du coup de prendre cette route là. Parce que vraiment hein, on l'avait déjà prise en camion. Et c'était un calvaire, je m'en souviens très bien. C'était un calvaire. Ces grands virages là avec la remorque. C'est assez, assez terrible. Donc voilà petit plan cinématique. Et je pense que c'est aussi sympa de mettre un peu à l'honneur finalement cette map de My Goodness en voiture. Ça change complètement la perspective. Et je trouve que c'est pas. Que c'est pas moche quoi. Je trouve que c'est assez, assez rigolo à faire. Vous voyez la ligne blanche? Bah je vais rien faire parce qu'il y a un camion qui arrive en face. Voilà, on va simplement rester tranquille derrière, même si je respecte pas les distances. On est immatriculé. C'est quoi la plaque d'immatriculation, la TR? Je ne sais pas c'est quel pays. Mais vous voyez un petit peu la voiture, elle est super bien faite. Hein. Alors je serais plus capable de vous dire les créateurs, j'en suis navré. Mais comme dit, je mettrai évidemment tout en description. Donc c'est pas un problème. C'est pas un problème. Très sympa. Bon, juste le bruit qui est un petit peu éclaté au sol. Hein. On va pas se mentir. Bon, après, c'est Renault. Hein. Je rigole. Ça fait pas ce bruit-là. Le klaxon, attendez. Voilà, ça c'est fait. Les fenêtres, on peut les ouvrir? Ah, dommage. On peut pas ouvrir les fenêtres. Ah, ça, c'est un petit peu dommage. C'est pas bien grave. On va faire avec. Bon, les là, ils m'ont saoulé, là. On a quand même de la patate hein, sous le capot. On a quand même de la patate sous le capot. J'ai beaucoup d'angles morts. Alors attends, parce que là je me suis un petit peu enflammé. Hop là, on passe devant sans problème. Hop, ni vu ni connu. Allez, c'est parti. Paradise Road. Vous avez vu le panneau. On va faire la route du paradis. Donc ça va être incroyable en voiture. En vrai, on va se donner. Vous savez quoi? On va se donner l'objectif, limite, de le faire le plus rapidement possible en fin de compte. On se la fait un petit peu en mode rallye. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ça peut être assez amusant. Ça peut être assez amusant. Alors forcément, des fois, vous allez me voir faire des trucs un peu bizarres, j'en suis désolé. En fait, la conduite de voiture, c'est vraiment différent que la conduite de camion. N'oubliez pas que c'est un jeu qui est fait pour camion, de toute façon. Et donc, du coup, la physique est très différente, déjà d'un camion, mais surtout de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a deux facteurs qui sont différents, et donc, il faut juste que je m'adapte un petit peu, et puis ça devrait le faire. Hein.
Ça devrait le faire. Hop. Et il roule comme un fou le mec devant. On fait la course, regardez. On fait la course avec le mec devant, eh. Il m'a fait les clignotants là pour qu'on fasse la course. Tu vas voir c'est qui le meilleur. Moi je te fume avec ma Renault moi. Alors là on est dans la merde. Ça passe. Ça passe. Alors là ça c'est un coup voilà. J'ai fait en sorte de pas écraser la pédale hein, parce que là je peux vous dire que si j'avais écrasé la pédale c'était moi la pédale hein. Non clairement Non mais j'allais mourir en fait hein, tout simplement. Donc voilà tranquille. Wow. Je sais pas si on a l'ABS ou pas. Non. Vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Je pensais que ça passait hein. Je vais être très honnête avec vous. Je pensais que ça passait. Vous n'avez rien vu. Ça ne compte pas. Ouais mais là si les gens ils roulent à 30 à l'heure vraiment ça va être terrible hein. Ça va être terrible. Ils ont bien raison hein. Ouais en camion la perspective est pas pareille. C'est assez rigolo. Oh là ma vie ça bosse. Et vous vous rendez compte que ça fait plus d'un an qu'ils sont en train de bosser, qu'ils ont pas déplacé un seul tronc d'arbre. En plus les troncs d'arbre ils volent hein, si jamais. Donc ça fait plus d'un an qu'ils bossent. Ah là là my goodness va falloir. J'espère que tu les payes pas hein, parce qu'ils font pas grand chose. Ah oh, je pensais que je pouvais doubler. Il y a trop de voitures. Après la route est assez large. La route est assez large. Voilà ça passe relativement bien. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi il est où le problème? Je suis sur mes 4 roues là. Je pense que vous avez cligné les yeux. Je pense que vous avez cligné les yeux. Et que vous avez fait un rêve lucide les amis. Vous avez fait un rêve lucide. Ok on en est où là? 255 mètres d'altitude actuellement. On est parti 130 km/h hein, vous voyez sur le compteur. Voilà mais là on va un petit peu se détendre. Eh, c'est une Renault Sport les gars aussi hein, faut pas l'oublier. Ah c'est... ça déconne pas hein. La Renault Sport elle se retourne. Elle se remet sur les 4 roues hein. Ah vous pouvez essayer dans la vraie vie hein. Tous ceux qui ont une Renault n'hésitez pas à le faire hein. C'est pas bien grave. Je rigole. Oh. Je me souviens de ce décor. Souvenez-vous. Avec la cascade d'eau. Oh. Les montgolfières. Alors ça c'est ultra stylé messieurs dames. Parce que regardez, je vais vous faire une petite capture d'écran. Et ceux qui m'ont suivi il y a un an, eh ben j'ai fait une capture d'écran exactement au même endroit. C'était avec une remorque Vache qui rit. Pour ceux qui s'en souviennent, je crois que c'était la Vache qui rit. Ah, c'est quand même pas moche. C'est quand même pas moche. On est vraiment dans un cadre idyllique. J'ai envie de vous dire. Un cadre idyllique. Mais là la route va être un petit peu moins idyllique. Et ça c'est assez rigolo. Et ça c'est assez rigolo. Donc là on va vraiment se concentrer au maximum pour faire aucun accident. Ah, on n'a pas fait d'accident depuis le début, donc ce serait dommage d'en faire maintenant quoi. Et puis surtout que la route du paradis, souvenez-vous, là en vrai c'est des virages sympas. Mais après, après c'est la merde, hein. Plus tard ce sera la merde. Hein. Allez on y va. On va y aller tranquille bilou. Il y a beaucoup de trafic d'ailleurs, il est quelle heure là? Il est 9h18 du matin, c'est pour ça, c'était une très mauvaise idée de commencer à cette heure là, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Alors attendez, est-ce que je tente ou pas? Parce que je ne vois rien là. Oh j'aurais pu. J'y vais. Ok ça passe. Hop on ralentit. Oh là le petit parking. Une petite vue sur le côté. Aïe 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 que c'est beau. Que c'est beau. Ah bah il y a des scooters. Je sais pas comment ils ont fait pour monter jusque là-haut. Les scooters ils ont du courage hein. Ah monsieur envoie une carte postale virtuelle à sa daronne. Incroyable. Un hôtel Trivago. Allez je passe devant la 3008 là parce que elle va me gonfler. Hop. Et c'est reparti. Ah un nouveau panneau. Et voilà l'angle mort. Merci beaucoup. On n'arrive pas à lire. 356 mètres. Pas mal hein. Pas mal. Ah bah du coup j'ai pas les oreilles bouchées finalement. C'est encore pas assez haut. Ok. Zanzazion, zanzazionnel. Allez on y va là monsieur avec votre Dacia Sandero. Je ne sais pas ce que c'est. Alors les gars vous allez me dire hein, si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Ça change vraiment hein, des vidéos classiques Euro Truck. Clairement j'ai envie de, voilà, de me faire plaisir et de varier. J'en ai marre de faire tout le temps la même chose. C'est des trucs qu'on a déjà fait il y a un an. Et je comprendrai que certaines personnes vont vouloir m'insulter. Bon après voilà hein, ça, si vous avez que ça à faire. Mais ceux qui n'apprécient pas ça c'est pas un problème. N'hésitez pas à me dire. Mais si vous appréciez, n'hésitez pas non plus à me le dire surtout. Et si vous voulez que je fasse avec d'autres véhicules, d'autres routes, moi je pense notamment à la route de la mort, là. La route. La Joséphine. C'est ça, c'est la Joséphine. Je crois, la route de la mort ou je sais plus quoi. On pourrait faire ça, vous savez, avec un SUV ou un truc comme ça, ça peut être assez rigolo. Enfin voilà, vous me dites. Vous me dites ce que vous en pensez, on en refera.
Si vous voulez que j'essaye avec des véhicules en particulier, n'hésitez pas. Après, il n'y a pas tous les véhicules du monde, hein, mais on peut essayer de se débrouiller. Donc voilà, vous m'en direz des nouvelles, les gars. J'ai hâte de vous lire. Là, je me suis un petit peu chauffé, hein. Hop là, trois véhicules d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Trois véhicules d'un coup. Normalement, tu dois te rabattre. Oh merde, je suis peut-être un peu enflammé. Je voulais essayer de le doubler dans le virage. Il a de la patate quand même, ce Renault, hein. C'est du cinématique quand même. Oula, on va très vite là. On va très vite. Ah, j'aime trop, ça me donne envie de boire de l'eau. Je sais pas pourquoi, mais quand je vois des décors comme ça, ça me fait penser aux bouteilles d'eau. Normal, c'est la montagne, connard. Non mais voilà, c'est rigolo. Et donc là, on arrive dans le village de Lavernay. Donc on va se calmer, hein. On va pas tuer des gens. Donc on va respecter un petit peu quand même. Lavernay sur la gauche. Nous avons 532 mètres d'altitude. Waouh. Oh pardon, le camion, je l'ai énervé derrière. Ça, c'est comme dans la vraie vie, il a bien raison. On y va. Tunnel du Mont Doré. Et non pas Julien Doré, bien évidemment. C'est incroyable. Ah, on n'est pas encore sorti du village. Hop là, ligne blanche. Ligne blanche. Ah merde. Bah ouais, je pensais que... Bah ouais, bah voilà. Bah, je pensais que Renault Sport... Je pensais que les RS, elle était plus puissante que ça quand même, hein. Hop là, regardez-moi. Et appelez-moi Sébastien Loeb. Enfin, dans une Renault, mais c'est pas grave. C'est sûr que Peugeot, c'est mieux. Mais et ce beau décor, ce paysage idyllique, messieurs, dames. Viaduc des Deux Reines. Alors, je ne sais pas à quoi penser, my goodness, quand il pensait à Deux Reines. Je ne veux pas savoir, d'ailleurs. Non, parce que maintenant que j'ai compris que my goodness... Parce que souvenez-vous, moi, il y a un an, quand on a pris cette route, je ne connaissais pas encore my goodness. Mais maintenant qu'on sait que c'est un gars un petit peu cochon, on peut tout s'imaginer. Vous voyez ce que je veux dire? On peut s'imaginer tout et n'importe quoi. Donc, restons innocents. Que faire quand on se fait chier dans un tunnel? Des slaloms, bien sûr. C'est évident. Là, ça se resserre quand même. Voilà. Et du coup, ce que je peux faire... Hop, regardez. Voilà, ça s'appelle du calcul. Ça s'appelle être un as du volant, finalement. On appelle ça plus communément un pilote. Regardez, c'est pas fini. Hop là, ah. Et voilà, pas le temps pour vos conneries, moi. Là, tu te remets, tac, et on est reparti, tout simplement. Et là, on a la piste pour nous. Enfin, la piste, ouais. Justement, c'est ce genre de comportement que je déteste. Allez, c'est parti, à fond les ballons. On est sur du 150 km/h, presque. Pas encore. Ça y est, on touche les 150. On est au 150, donc là on va éviter les mouvements brusques. Oui, 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 ça passe. Et on a un nouveau pont. Ah bah ça doit être la deuxième arène. Incroyable. Avec une très belle vue, bien évidemment. Ah, ça fait plaisir. C'est vraiment une expérience différente, moi ça me plaît. Je vais pas vous mentir, c'est quand même assez assez sympa. Je vois pas la voiture. Ouais voilà, on va éviter d'aller dans le fossé quand même. Ah c'est chouette. Je roule comme une bite mais c'est chouette. Rêver, même si tu n'y croyais guère. Tu disais le seul jour où tu pourrais crever, ce serait à la guerre. Mais t'as roulé comme un con, ce jour t'avais le son à fond. T'as bu 3-4 bières pression et t'as roulé à contresens. Ouais, t'as roulé comme un con, tout ça c'est fini en sang. En plus d'être mort comme un con, t'as tué des innocents. T'as tout niqué, t'as déconné, t'es mort. Collatéraux, t'es honteux.